Australie, effectivement, de retour. Après son comeback l'année dernière au niveau du championnat d'Afrique, nous pensons que la Côte d'Ivoire est bien partie pour accéder à nouveau au championnat du monde après cette rupture de plusieurs années. Il faut dire que la fédération n'a pas lésiné sur les moyens. C'est pourquoi nous avons tenu à être présents pour soutenir Alain Grosinoé et son équipe, pour dire à tous les pilotes qui participent à ce 40e anniversaire du Panama que le gouvernement entend les soutenir les prochains mois. Nous pensons qu'il y a des moyens. Le gouvernement a pris l'option d'appuyer toutes les disciplines. Mais ici, avec le rallye, vous avez une discipline à fort impact touristique. Et nous pensons que c'est une façon pour nous, en soutenant le rallye, de contribuer au rayonnement de la Côte d'Ivoire sur le plan touristique. Il faut dire que les Ivoiriens sont sur leur terrain. L'année dernière, c'était un Ivoirien qui l'avait emporté. Nous pensons que les Ivoiriens sont bien préparés. Et aujourd'hui, ce qui leur reste, c'est les moyens.